Bonjour, moi je m'appelle Franck Decroix, j'ai 24 ans et je suis jeune diplômé ingénieur de l'UTBM. Depuis un an, je suis en doctorat, donc je suis aussi jeune chercheur maintenant, puisque j'ai intégré le laboratoire ICB L'Herbs de l'UTBM. À l'UTBM, j'ai fait le cursus en 5 ans, j'ai intégré la branche génie mécanique et conception, et plus tard la filière matériaux. Pendant les 5 ans, j'ai commencé par être bénévole à plusieurs festivals, comme le Festival du film d'un jour ou le Festival international de musique universitaire. Je me suis aussi intégré dans le Club Welcome, où j'ai aidé des étudiants étrangers. Et ensuite, maintenant que je suis en doctorat, j'ai continué dans le bénévolat avec les Cordées de la Réussite Parcours d'Excellence, qui sont des dispositifs nationaux pour aider des lycéens en difficulté, les aider dans leur orientation en organisant des sorties, en répondant à leurs questions, et aussi en faisant de l'aide aux devoirs. Ce qui me tient aussi à cœur dans cet aspect de bénévolat, c'est le fait que la réussite scolaire puisse être accessible à des personnes qui n'en ont pas forcément les moyens, et c'est souvent celles-ci qui sont justement le plus en difficulté. Du coup, quand on les voit s'améliorer, c'est vrai que on est plutôt fiers de soi. Et il y en a qui font vraiment des progrès assez énormes, et ça, ça fait vraiment plaisir. Grâce à Franck, j'ai pu réussir l'année de seconde. Au tout début, j'avais un peu de difficultés, mais grâce à lui, j'ai pu m'accrocher davantage à ma réussite. Je peux continuer cette année, si possible l'année prochaine, afin de réussir à la fois mon bac de français en cette fin d'année et mon bac tout court l'année prochaine, et aussi pour réussir mon avenir dans le domaine scolaire. Avec le doctorat, j'ai aussi souhaité prendre plus de postes à responsabilité, par exemple la présidence dans l'association d'Okeo, qui est l'association des jeunes chercheurs de l'UTBM. C'est important d'être engagé dans le sens où la société elle évolue, et je pense qu'il faut faire en sorte que les instances, les associations, etc., elles évoluent avec, et histoire que tout le monde se sente bien dans son petit monde, quoi. Quand je m'investis, moi je me sens bien dans mes baskets, parce qu'il y a effectivement un volet altruisme, mais il y a aussi tout ce qui est sur le fait de se construire soi-même. Ça, c'est hyper enrichissant. Et du coup, c'est vrai que pour ça, j'invite vraiment les étudiants à s'engager.